à l'université de Londres, Chilly Willy Odingwalls. À Kensington, Greasy Tracker, une association marginale qui organise des concerts pas chers et des tournées pour les groupes en mal de contrat, a investi la mairie pour un concert avec Pink Fairies. Pink Fairies sont avec les Pretty Things les seuls survivants de la folle époque de Ladbroke Grove et des bananes électriques. Elle est laissée pour compte du rock psychedelic et dur.
Vous avez déjà plusieurs albums derrière vous. Je ne crois pas qu'ils se soient beaucoup vendus. Oh, vraiment? Non, Pink Fairies a souvent changé de personnel. Ben, on a fait 3 albums et 3 simples. Bien sûr, ils se vendent lentement, mais on les achète encore. Enfin, on peut pas dire qu'on soit un produit très demandé en ce moment. Et les concerts, comment ça se passe? Combien gagnez-vous? Ce soir c'est spécial, on n'a rien touché. Tout ce qu'on demande c'est assez de fric pour pouvoir s'acheter du henné pour les cheveux et se fringuer. Non sérieusement, ça tourne autour de 100 à 200 livres par concert. Et c'est assez pour vivre? Oh non, il y a belle lurette qu'on est tous morts. No chance. Il y a beaucoup d'énergie dans ce que vous faites, beaucoup de violence. Et j'ai remarqué que les gens dans la salle étaient très très jeunes. Que pensez-vous de votre public? Qu'est-ce qu'ils trouvent dans votre musique? Les jeunes à qui on s'adresse sont plutôt désespérés. Il y a beaucoup de désespoir dans la musique qu'ils écoutent. Et les mecs de 15, 16 ans, ceux qui arrêtent l'école, ceux qui prennent un boulot, ceux qui n'en trouvent pas, tous ces gens sont très désespérés. C'est ce qu'on leur apporte, une heure de frénésie. Get up there and be friends for about an hour. You know, that's it.